Salut à tous les gamers, c'est Coach DX. On se retrouve pour l'épisode numéro 10, et oui déjà, de ma carrière d'un joueur pro sur FIFA 15 aux Girondins de Bordeaux en tant que milieu latéral gauche. Voilà, on reste sur de très très bons matchs. 3 victoires d'affilée. J'ai marqué lors du dernier match contre le Stade Rennais. Tout va bien, tout va pour le mieux comparé à notre début de saison catastrophique. Voilà, on se retrouve là au stade Auguste Delonne. L'équipe des Girondins du Classique, c'est la même équipe que contre le Stade Rennais. Pour Reims, bon alors rien de particulier, pas de grands joueurs, hein, c'est que Reims en même temps. Allez, on va se retrouver pour ce début de match. Le classement, on est 7ème. Pas très loin, je crois qu'on est à 1 ou 2 points de la 4ème place. Donc pourquoi pas prendre cette place européenne dès aujourd'hui. Allez, c'est parti pour ce match. D'un instant, de suite. Lirez-moi qui se porte vers l'avant là-bas, côté gauche, avec Diego, vers Onyang. On pour Albeck. Voilà, pressing, mais on n'a pas écouté. Attention, là, c'est le point mort. Voilà, on intercepte le ballon. Ça se projette vite vers l'avant du côté bordelais. On réclame le ballon dans la profondeur. Hop là, allez, on rentre dans la surface. On essaie de transmettre là-bas. C'est contré. On va transmettre vite là-bas. Je crois que c'était pour Diego Rolan. Mais là-bas, le contré. Ça va en touche pour Contento. Allez, qui me fait la touche pour moi-même. Transmet à Traoré là-bas. Vers Brian Ruiz. Il peut frapper, la frappe juste au-dessus de Brian Ruiz dès la 9ème minute. C'est dommage, il y a peut-être mieux à faire pour Ruiz. J'étais juste devant lui. Allez, Placide au dégagement. Le gardien du stade de Reims. Allez, j'essaie de demander le ballon en profondeur là-bas. Est-ce que je vais l'avoir? Ah, j'aurais pu l'avoir, je pense. C'est dommage. Tacalfred m'a bien mis à l'amende sur ce coup-là. Allez, Albeck maintenant. Qui a été poussé par Certic. Certic a mis le ballon en touche. Et non, il a poussé le Rémois à mettre le ballon en touche. C'est pour nous, du coup. Il revient derrière. Vers l'Amso. Allez, Abdou. Qui avait marqué la semaine dernière contre Rennes. Il a sifflé. Petite faute du Rémois. Et carton rouge. Oh, le rouge. Le rouge pour le numéro 6 du stade de Reims, Antoine Deveau. Suite à cette faute face à Abdou Traoré. On va la revoir, hein, ce tacle un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est l'impression que c'est Traoré qui se prend les pieds dans le joueur Rémois. Parce que le joueur l'avait pas touché au départ. Non, on va pas s'en plaindre. Ah, du coup, le stade de Reims va finir le match à 10. Et c'est pas plus mal pour nous. Ah, dommage. J'ai voulu centrer directement. Je me suis pris les pieds dans le gazon. Allez, 22 minutes de jeu. Reims est à 10. C'est très très bien pour nous. À nous maintenant de concrétiser notre supériorité par un but. Voire deux, hein. On va pas s'en plaindre non plus, faut le dire. Allez, c'est Sané la retombée du ballon. Il peut me transmettre le ballon. On se retourne. On essaie de frapper juste à côté. Ah là là. Ah, dommage, j'ai pas si enroulé ma frappe. Elle passe juste à côté, je pense. Ah ouais, ça frôle le poteau. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Placide était battu. On a raté l'occasion d'ouvrir le score ici au stade Auguste Delonne. Allez, on continue le pressing. Il faut les harceler, continue comme ça. Ils sont à 10, hein, ça va forcément payer à un moment ou à un autre. Voilà, comme ça, Ruiz. Allez, Ruiz qui me transmet la balle. Hop, on élimine le joueur. Rémois. Hop, deuxième Rémois éliminé. Attention à celui-là. Dommage, dommage là. Je pense qu'il va le mettre en bas. Voilà, dommage. Allez, Ruiz qui va essayer de récupérer le ballon avec son pressing. Un Certic qui monte également. Et voilà, sous la pression, le joueur adverse met le ballon en touche. Ah, dommage, j'ai voulu taper et le joueur me reprend juste avant que mon pied touche le cuir. On est
vient d'abord côté gauche. Allez, on obtient le corner. Ruiz pour le tirer. Je suis loin de la bosse au second poteau, on va essayer de se rapprocher. Ah, il semble faire la passe, je joue la tête mais le Raymond est devant moi. L'idéal hein, serait que on mette un but là juste avant la mi-temps. Ah non, qu'est-ce que c'est quoi ce centre qui me fait là, ça là. Ah la frappe de ma frappe de moi, elle est contrée et encore une fois, encore un pied qui traîne. C'est Mandy cette fois-ci qui met le ballon en corner pour nous. Et la tête là-bas de Sané, il me semble, dans les bras de Placide, le gardien adverse. Et là, on va rentrer dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et oula, un gros cafouillage des Rémois. Ils mettent le ballon en touche. Allez, ça va faire une situation pour nous, j'espère. Attention, on va pas perdre le ballon, messieurs. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait là, Traoré? Il met le ballon en touche. Eh bien, écoutez, les Rémois le mettent en corner juste derrière. Un peu incompréhensible à ce qui se passe du côté du stade de Reims. J'ai l'impression qu'ils sont un peu paumés. Allez, je bande dans la surface. On essaie de centrer, c'est contré. Contento pour récupérer. Il me la transmet. Ah là là, dommage, dommage, dommage. On n'a pas réussi à récupérer le ballon. Et le contre par Albeck. Et c'est la mi-temps ici au stade de Reims, au stade Auguste Delaune. 0-0 entre Reims et Bordeaux. Première mi-temps marquée par ce carton rouge du stade de Reims. On va pas s'en plaindre. Il faut qu'on soit un petit peu plus tranchant, un petit peu plus précis dans les passes et dans le dernier geste si on veut ramener quelque chose, notamment la victoire de ce déplacement. On va tenter la frappe de loin. Ouf, la frappe qui passe au-dessus. Oh là là. On a pris sa chance hein. Voilà, toujours pareil, qui ne tente rien à rien. On va avoir le ralenti. La frappe qui va passer. Ah, pas loin, hein. Moins d'un mètre au-dessus de la cage. C'est dommage, c'est dommage. Ça a peut-être été un magnifique but de ma part. Mais c'est l'arbitre à Traoré qui s'est pas battu. Allez, on met la balle vers Greg Sertic qui écarte tout là-bas vers Mariano. Ah, je joue dans la tête. Le défenseur m'a devancé une nouvelle fois. Donc, je suis pas bien grand non plus. C'est un peu compliqué de prendre le ballon de la tête. C'est propre ça. Eh ben, une nouvelle fois, hein, on n'arrive pas à prendre ce ballon de la tête. Ça va peut-être lui faire un peu plus grand. Hop là, on arrive à ce jeu, on va tenter de centrer pour Salah. Pour Traoré, oui, le but des Girondins de Bordeaux, Abdou Traoré. Second but en deux matchs pour le milieu de terrain malien. Je crois que c'est moi qui dois faire la passe. Hein. Ouais, c'est ça, personne la touche. Et voilà, première passe D pour moi sur ce super but d'Abdou Traoré. Son second but en Ligue 1. Et un changement côté bordelais avec la rentrée de Nicolas Maurice Belay et la sortie de Diego Rolland. Et bien voilà, ça y est, c'est débloqué. 1-0 pour nous. Je fais une passe D, c'est très bien. Première de la saison. Ça annonce de bonnes choses tout ceci là, ce match en tout cas. Ah là là, j'ai mal compris. Qu'est-ce que j'ai fait là. Ah les gars, il met ses bons ballons en profondeur, mais c'est tout le temps un petit peu trop long. Et Salah qui peut me la transmettre mal, voilà, comme d'hab. Salah, c'est vraiment le point faible hein, de cette attaque girondine. Alors, pourquoi pas tenter remettre CV ou Kistelin, ou peut-être même Tom Touré, hein, on ne sait pas, hein, parce que là, Salah, c'est vraiment pas ça. Et Greg, une nouvelle fois, qui met la balle en cloche, mais c'est pour Placide, le gardien adverse. Allez, continue à aller au pressing. Harceler cette équipe rémoise, faut surtout pas qu'ils aient l'occasion de revenir.
Hop, allez, on met tranquillement vers Brian Ruiz. On va essayer de se porter vers l'avant, hein. Ça sert à rien. Le défenseur avait senti le coup. Et Ruiz obtient la touche. Allez, changement maintenant pour le Stadeur. Hein. Et Salah. Alors, enfin, Salah qui sort et c'est de sa place à Henri CV. On va amener un petit peu plus de rigueur technique. Et de rapidité aussi, hein, faut pas se cacher. Attention là-bas. Allez, je tente la ballon. Hop, petit gris-gris, on passe. Ah, j'ai voulu trop attendre que CV se mette tout seul face au but. Le défenseur me reprend la balle au dernier moment, une fois de plus. Un nouveau changement avec l'entrée de Depréville qui remplace Gaëtan Charbonnier côté Rémois. Maurice Bellet, attention mon ami. On va pas t'enfermer là-bas, on va essayer d'aller l'aider. Voilà. Eh ben du coup c'est moi qui perds le ballon. Voilà, bravo. Attention là, Sané. Depréville lui subtilise le ballon. Du coup ça va faire une offensive pour les joueurs du Stade de Reims. Mais voilà, Carrasco veille. Ballon en profondeur sans danger. Attention Carrasco, voilà. Il met le ballon là-bas vers Mariano. Pour Nico Maurice Bellet. Qui me transmet. Ah, on essaie de mettre pour Henri CV, je crois qu'il était hors jeu. Il était hors jeu, ah, c'est dommage. C'est dommage. La passe en profondeur, mais CV était juste hors jeu à la limite. Allez, où est le chrono là-bas en haut à gauche? 89ème minute. Ça sent beau pour nous. On va voir combien il va y avoir d'arrêt de jeu. Allez, 3 minutes d'arrêt de jeu. Alors, on va juste gérer tranquillement maintenant. Est-ce qu'on tente quelque chose? On va assurer le coup. Tranquille. On essaie de confisquer le ballon. Il faut couvrir leur adversaire pour le fatiguer. Lui aussi, disons-le, hein. Je pense pour l'énerver. Ça joue bien entre Ruiz et CV. CV qui peut me la remettre. Je tente la frappe au-dessus. Penalty pour nous dans les arrêts de jeu. Voilà, bon, la Messi dit qu'on va s'imposer ici. Carton jaune pour le Rémois. Pour Anthony Weber, c'est la faute sur Henri CV, il me semble. Et le penalty, c'est pas moi qui va le tirer, dommage. Ça va être. J'ai pas bien vu qui c'était, peut-être que c'est Brian Ruiz. C'est ça, ouais, c'est numéro 20. C'est Brian Ruiz pour le début à 0. Ruiz qui va s'élancer. Allez, c'est parti. Et c'est la barre! La barre pour Ruiz et derrière la tête de CV, ça passe au-dessus. Et le match se termine sur cette grosse occasion, ce penalty raté. Mais on s'impose un but à 0. Ici à l'extérieur au stade de Reims, superbe opération pour nous. On continue notre petit bonhomme de chemin. J'ai fait une passe D pour le but de la rencontre, le but de Traoré. Et voilà, bon allez, c'est fini pour cet épisode numéro 10 de ma petite carrière sur FIFA 15 au Girondin. On se retrouve dès demain pour l'épisode numéro 11 avec un match à Caen. Non, je crois qu'on va, recevoir Caen, pardon. Et les matchs internationaux arrivent aussi. Alors j'espère pouvoir fêter ma première sélection avec les États-Unis. Allez, on en saura plus dans les vidéos à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.